Fuzhou était la ville hôte de cette session 2021. Madame Rosler, vous êtes demeurée à Fuzhou tout au long de cette session. Quelles sont vos impressions sur cette ville chinoise? Moi, j'étais très impressionnée parce que c'est une ville très verte. Moi, je ne me suis pas attendue à ça et je trouve que c'est une ville qui protège à la fois l'environnement naturel, aussi avec des différentes rivières, mais aussi l'environnement culturel. Et je crois ici, on voit même des bâtiments qui ont toujours des éléments de la dynastie Ming, par exemple. Et moi, j'étais très impressionnée de voir ce patrimoine protégé par les communautés locales. Comment se déroule le travail de protection des patrimoines en Chine en général? Quelles sont les institutions et organisations responsables? En général, sans entrer en détail, je voudrais dire que la protection du patrimoine mondial en Chine, c'est un système transversal et à multiniveaux. C'est-à-dire, par exemple, on a deux autorités chargées respectivement du patrimoine naturel et du patrimoine culturel. C'est comme tout le monde sait que c'est l'administration nationale du patrimoine culturel qui est chargée de la protection, les législations et les politiques et les mises en œuvre et la surveillance de ces mise en œuvre des politiques pour la protection du patrimoine culturel. Et de l'autre côté, c'est l'autorité nationale de la protection des forêts et des prairies qui prend cette charge. Et en fait, il y a aussi une organisation de coordination qui est la Commission nationale de la Chine pour l'UNESCO, c'est où je travaille, qui vraiment fait la coordination de tous les deux côtés et pour coordonner la communication avec l'UNESCO et parfois et souvent en fait en collaboration avec la délégation permanente de la Chine auprès de l'UNESCO qui est basée à Paris. Et c'est à peu près la perspective globale. Et aussi, comme vous voyez dans le processus de l'inscription du site de Quanzhou, dans la liste du patrimoine mondial, vous pouvez regarder que le gouvernement provincial, la municipalité, les communautés locales, ils sont beaucoup impliqués dans le processus. Donc, ce sont à différents niveaux. La Chine a ratifié la Convention du patrimoine mondial en 1985 et participe très activement à la coopération internationale. Madame Rosler, quel regard portez-vous sur le rôle que la Chine a joué dans la protection du patrimoine mondial? La Chine a joué un grand rôle dans la protection du patrimoine, surtout avec un programme qu'on a établi. C'est le forum Afrique-Chine et donc la Chine a soutenu la formation et le renforcement des capacités des gestionnaires des sites et des différents points focaux en Afrique. Et on a fait une réunion ici à Fuzhou où on a présenté les résultats de cette coopération et je crois que cette coopération continue. Il y a des fellowships qui sont donnés, des bourses qui sont données et je crois qu'on va travailler aussi au niveau des universités. Parce que je crois que cet renforcement des capacités, c'est nécessaire pas seulement dans les sites, mais aussi au niveau universitaire. Et je crois que cet échange est très fructueux.